Voilà, dis-moi tout. Tu t'appelles comment déjà? Je m'appelle James Hodge. Alors vas-y, raconte-moi tout. Je sais pas par où commencer. Commence par les Templiers de Blackville. C'est pas si simple. Il y a 3 ans de ça environ. J'étais à la rue, je faisais la manche. J'avais rien, j'avais pas de travail. Et j'avais pas de quoi nourrir mes enfants. J'allais même pas à l'école. On n'arrêtait pas de se battre avec ma femme. Et un jour, j'étais là, j'étais dans la rue, et c'est là qu'il est venu. Qui ça, il ? Dubricius. Dubricius ? Le chef des Templiers de Blackville. D'accord. Et ensuite ? Ensuite, il m'a regardé pendant un moment, et il m'a demandé si je voulais du travail. Alors j'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Il ressemble à quoi ? Je sais pas, il a toujours un masque. Hubricius t'a engagé dans les Templiers de Blackville. Ouais. Enfin, non. Enfin, je fais pas partie des Templiers de Blackville. Je suis qu'un homme de main, moi, c'est tout. Les Templiers de Blackville, je sais même pas ce que c'est exactement. Alors, tu faisais quoi pour cet Hubricius ? Au début, pas grand-chose. Il nous a installés dans un appartement avec ma famille. Il a tout fait, ma famille, tout. Il a inscrit mes enfants dans les meilleures écoles. Il a même trouvé un boulot de secrétaire pour ma femme. Parce qu'on serait devenu s'il était pas là. Et après, t'as dû quand même lui rendre service. Ouais, je l'accompagnais de temps en temps pour voir certaines personnes. J'ai vu des choses qui m'ont dérangé. Je me souviens un jour, il m'a demandé si j'avais confiance en lui. J'ai répondu oui. Et il m'a demandé de tuer une personne. Et j'admirais tellement que ça me semblait pas mal de le faire. Tuer cette personne, la culpabilité m'a rongé. Ça me bouffait de l'intérieur. Et j'ai commencé à douter du Hubricius. Et je pouvais pas partir. Après tout ce qu'il avait fait pour moi et tout ce que j'avais fait pour lui. Et quand il s'est mis à parler de toi, là, et de cette fameuse boîte, justement, je me suis dit que ça devait valoir de l'argent tout ça. Et donc j'ai décidé de voler la boîte. Puis après, tu connais la suite. D'accord. Qu'est-ce que tu sais sur les Templiers de Blackville ? Rien, je te jure. J'en sais rien. Et Hubricius ? Il n'a pas un nom de famille ? Hubricius ? Je sais même pas si c'est son vrai nom, Hubricius. Ce que je comprends pas, c'est que la boîte t'a été volée. À l'intérieur de la boîte, il n'y avait qu'un mot, signé les Templiers de Blackville. Signé ? Il y a simplement écrit les Templiers de Blackville dessus. Il n'y avait pas de logo ? Le logo ? Comme ça ? Non. Alors c'est pas les Templiers de Blackville. C'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui essayent de se faire passer pour eux. Avec la boîte est avec quelqu'un d'autre. Ça devient vraiment n'importe quoi cette affaire.